Le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore organisé une réunion ou encore une rencontre au profit d'Haïti. Une rencontre qui est organisée mercredi 21 décembre pour que vous connaissiez définitivement qui ça a dit, qui ça a fait dans le dossier Haïti. La crise haïtienne li monte dans tête toute nation. La crise haïtienne li vini actualité dans tout pays. D'ailleurs, même les journaux, si yon besoin vendre, yon obligé pencher sur le cas d'Haïti. Yon obligé rentrer dans la réalité gen la en Haïti. Tellement sous situation préoccupé en pile moun. Depuis le mois dernier, octobre, gen pile rencontre kap multiplié dans le Conseil de l'ONU pour yon connaître exactement qui décision qui a pris, qui position yon doit prendre en faveur d'Haïti. Et dans tout aller mener vini sa yo, aller virer tourner sa yo. Gen yon situation mesdames messieurs côté gen plusieurs pays qui intervenu parmi yo la Russie qui exprimer position à clair sur quantité sanction k'ap prend là. Contrairement avec Mexique, on sait de notre pays, la Russie lui-même li pa wè sanction sa yo de bon œil. La Russie estime sanction sa yo, yo pas mené à un déblocage de crise là si toutefois les États-Unis à conseil de l'autre pays, yo toujours à faire ingérence dans ça qui a passé là en Haïti. Yo toujours à fourer main, yo fourer pied yo. Tout autant, c'est pas vrai problème yo qui identifié n'a toujours été dans sa nier là. Correct. N'ayo lancé sanction. Moi m'a pour dire quoi, moi pour sanction. OK. Moi pour sanction parce que nèg avec femme qui lagué pays à dans salier là. Faut que nous river nous moment pour nous dire hein, li pas normal. Li pas normal pour nous continuer à vivre ça, n'a vivre là. Li pas normal pour pays à continuer à souffrir dans état ça et un groupe de moun yo même y a bien passé parce que yo gen moyen dans mais yo fait ça yo vle, yo contrôler la politique en Haïti, c'est yo contrôler groupe gang en Haïti. Nous toujours a dit ça. Mais nous prenons également pour que sanction yo bay résultat. Go jeune yo mette sanction yo, go jeune yo parler, go jeune yo mette sanction yo ou tout ouais. C'est bagarre personnel qu'a régler ou bien ça qu'a fait là et pas jamais mon bagarre qui pour le débloquer vraiment. M'bal bon possibilité dans émission ça pour vivre rencontre qui t'ai gagné dans Conseil de sécurité des Nations Unies côté madame Lalim t'a intervenu. Plusieurs moun t'ap intervenu et dans l'émission ça mesdames messieurs pral gen possibilité pour suivre intervention différents pays yo. Situation toujours tendue en Haïti et Ariel Henry monsieur gon redevance monsieur gon obligation sous tête li pour joignon entente avant année a fini. Ou est-ce que kouri fait là dans hôtel Caribé? Ariel chita avec un ensemble de secteurs. Yo gen kouri rapide choisi au moun, kouri rapide. Yo choisi madame Hippolyte Maniga pour aller représenter le secteur politique dans le conseil transitoire là. C'est mon bagage qui c'est monsieur c'est ultimatum li sous tête li oui. Ariel Gouin Pédamoclès qui pendie sous tête il a oui. Faut le dégager le coup mettre Jean-Jacques pour jouer nous entente avec tout secteur oui. Pour jouer nous accord oui. Maintenant tout accord ça yo dans toute entente ça yo Ariel Henry attendre le parole avec tout gouvernement là faut que li monte gaz 800 goud ou bien 900 goud c'est prix ça yo qui a vacillé pour connait côté on va le mettre sous chaque gaz ou bien c'est chaque gallon gaz je dis là pour vendre entre 800 ou bien 900 goud. Mais on paye aussi difficile non paye aussi tête en bas quand on va aller pour payer un gallon gaz tout comme ça. Donc mesdames messieurs nous invitons à suivre comment ça te yé dans le Conseil des Nations Unies, côté pays yo, yo t'ap réuni, yo t'ap bay position yo akle sous situation qui gen la en Haïti. Pas oublier ou sous Chanel Paula, Haïti Réflexion. Zami qui avec ou c'est Esdras Fizeme ou même c'est première fois qui chasse tombe sous nous, nous invitons kounya la même. Active cloche notification qui donc abonné pour ka toujours été connecté. Et puis pas oublier partager, quitter yon like ou commentaire pour ensemble nous capables avancer avec travail la.
c'est avec dédain l'obtenir des pays ça yo k'ap parler, c'est avec pitié même l'obtenir yo k'ap expliquer k'ap parler comment yo senti que yo raché le ap gade situation qui est là en Haïti. Que yo fait mal pour nous. Yo gè pitié pour nous pour ça k'ap passer là. En suivant ensemble réunion Conseil des Nations Unies qui t'est déroulé mercredi 21 décembre 2022 côté plusieurs pays yo t'a prononcé sous sort Haïti. En suivant ensemble. Pendant ces 18 mois au pouvoir, grâce à sa nomination, notamment par le groupe restreint des ambassadeurs sous la houlette de la Lime et de Washington, Henri n'a fait aucun effort en faveur du dialogue ou d'élections. Et beaucoup pensent qu'il est très peu probable que des élections libres et régulières auront lieu bientôt. Elle a également dit que Henri a décidé de réduire des subventions sur le carburant, ce qui coûte à l'État près de 400 millions de dollars afin d'avoir plus de recettes pour les programmes sociaux. Que veut dire Mme Lalime lorsqu'elle parle de bandes organisées criminelles, mais qu'elle ne qu'elle ne considère pas Ariel Henry comme criminel? Il a été accusé de façon crédible sur la base de différents appels téléphoniques, de nombreuses conversation téléphonique avec Joseph-Félix Badiou, l'homme qui aurait ordonné à des mercenaires colombiens de tuer le président Moïse le 7 juillet 2021. Henri a congédié un juge haïtien qui cherchait à l'interroger au sujet de ces appels. Deuxièmement, l'alliance de ces gangs, qu'elle a fait référence Madame Lalime, est une fédération dirigée par Jimmy Cherizier. Des barricades érigées en dehors, autour de Varo, ont été érigées en solidarité avec la fermeture nationale, la fermeture du pays. Troisièmement, ces barricades ont été érigées dans l'ensemble du pays. Mais pourquoi est-ce que Mme Lalime a simplement mis l'accent sur les barricades près du terminal pétrolier? Quelle est la différence entre cela et d'autres éléments? Les nombreux barrages routiers, les manifestations dans l'ensemble de la ville auraient entravé les fournitures de carburant à ce moment-là. Mais le principal facteur qui a perturbé la distribution de carburant, c'est la flambée des prix. On vous a dit dans l'exposé que les barricades de Vareux entraînaient des pénuries dans l'ensemble du pays et fermaient des hôpitaux. C'est encore une fois une de semi-vérités. Après l'exposé de septembre, début novembre, nous sommes allés à l'hôpital général d'Haïti et un des responsables nous a dit que l'hôpital n'avait jamais fermé, mais qu'il avait été plus difficile d'obtenir du carburant depuis août. Madame Lalime a conclu son rapport en disant, je cite, qu'une crise économique, une crise des gangs, une crise politique avait convergé pour donner lieu à une catastrophe humanitaire, fin de citation, tout en soulignant les véritables limites de la force de police nationale. Nous pensons que cela a vraiment planté le décor de la demande d'Ariel Henry au Conseil le 9 octobre, puisqu'il a demandé une intervention militaire étrangère, qui est une violation flagrante de l'article 263.1 de la Constitution haïtienne qui interdit des troupes étrangères à Haïti. Merci aux membres du Conseil de sécurité de me donner l'occasion de présenter notre analyse de la situation en Haïti. Je suis journaliste sur Haïti depuis près de 48 ans et le mois dernier, je me suis rendue avec mon collègue, le journaliste Dan Cohen, dans le pays pour enquêter la crise du carburant. À l'aide d'un drone, nous avons observé les barricades, les déplacements de la police, des marchés en dépit de l'insécurité. Nous nous sommes rendus dans des hôpitaux, des cliniques, camps de déplacés, parcs industriels, quartiers nantis et bidonvilles où se déchargeaient les égouts. On m'a demandé de présenter les faits, mais l'histoire n'est pas neutre, car bien souvent le droit international a été bafoué, ainsi que les principes de paix et d'autodétermination à l'origine du Conseil de sécurité, qui ont également été piétinés. Ces précédents ont engendré la crise actuelle. Ces trois dernières décennies, Haïti a été la victime de trois coups d'État. 1991, 2004 et 2021. Après chacun de ces crimes
qui impliquait des acteurs internationaux, le Conseil de sécurité a été prié, comme on lui demande une fois de plus, d'intervenir militairement en Haïti. Le Conseil de sécurité a donné son accord dans les deux premiers cas, en mettant en place en fait un statu quo illégal, injuste. Les victimes de ces coups d'État, c'est-à-dire la population haïtienne, sont ceux qui ont fait l'objet de répressions, ont été diabolisés, ont été violés, ont été intimidés sur le plan politique ou encore sanctionnés sur le plan économique. Voilà pourquoi près de 16 millions d'Haïtiens, 12 millions vivant en Haïti et 4 millions à l'étranger, s'opposent à davantage d'interventions de l'ONU à l'exception de la toute petite bourgeoisie de d'Haïti. Haïti est le seul pays de l'hémisphère occidental à avoir enduré une occupation militaire de l'ONU et à cela à deux reprises. Alors, quelle est la situation aujourd'hui? Vous, les membres du Conseil, entendez souvent des semi-vérités, des semi-vérités qui sont sans doute plus dangereuses qu'un mensonge, car des demi-vérités vous induisent en horreur plus longtemps. On a dit qu'Haïti était sous le joug de bandes. Mais l'autre coin de la médaille que vous n'avez pas entendu, c'est que les deux interventions militaires précédentes de l'ONU ont fragilisé à tel point l'État haïtien, tout comme les coups d'État, que cela a créé un vide qui a permis la croissance de cette criminalité. Dès lors, les Haïtiens ont été livrés à eux-mêmes et ils ont formé dans les années 80 des brigades de vigilance pour combattre les criminels. Et ainsi, ils ont créé des quartiers qui ne sont pas à la merci des criminels, où les citoyens pouvaient vaquer à leurs occupations dans la paix et dans la sécurité. Mais aujourd'hui, l'on voit certains analystes qui font d'ailleurs rapport au Conseil ou publient leurs articles dans les médias, qui sont en quelque sorte à la solde de ces bandes criminelles qui enlèvent, qui violent, qui extorquent, aux côtés de comités civils d'autodéfense qui luttent contre la criminalité. Donc, en gros, vous mettez dans un même sac les bons et les mauvais en les qualifiant de bandes. Mais aujourd'hui, le Conseil de sécurité essaye de menacer de lutter contre ces groupes d'autodéfense. Et dans la résolution 2653, ainsi, une seule personne a été sanctionnée, accusée de menacer la paix, la sécurité et la stabilité en Haïti parce que, soi-disant, il aurait projeté, dirigé ou commis des actes qui sont des graves violations des droits humains. Et cette personne n'était pas Joseph Wilson, soit Lamo Sanjou, dirigeant de la bande Mawozo, qui a dit avoir kidnappé 17 missionnaires nord-américains et 5 prêtres français et ainsi que deux nonnes l'an dernier. Ce n'était pas non plus la personne coupable d'enlèvement connue sous le nom de Iso. Ce n'était pas non plus Renel Destina, aussi appelé Tilapli, qui kidnappeur dont la bande criminelle contrôle la zone de Grand Ravine et qui a coupé l'accès à l'autoroute vers le sud d'Haïti, 40% du pays depuis près de 2 ans. Ce n'était pas non plus Kempes Sanon, dirigeant de la bande Bel Air, qui a été condamné à la vie à perpétuité pour un enlèvement mais qui s'est enfui en février 2021. Mais non, la personne qui a été visée par les sanctions, c'est Jimmy Cherizier, connu sous le nom de Barbecue, qui est le porte-parole d'une fédération de quartiers connue sous les forces révolutionnaires de familles alliées G9, qui s'adonne à des enlèvements, des extorsions, des viols et d'autres crimes. La coalition G9, il faut le dire, a essayé de faire baisser les violences et avait pu lutter, donc avait pu mettre en place une trêve en juillet 2020 dans des quartiers qui étaient notamment contrôlés par des bandes. Le BINU a déclaré dans un rapport de 2020 que les homicides intentionnels avaient signalé à la police avec baissé de 12% pendant de juin à août 2020, une période qui coïncide avec la trêve du G9.
En fait, c'est le contraire. Ces subventions de carburant qui permettent de garantir les transports publics, les marchés à ciel ouvert les entreprises et les agriculteurs de bien fonctionner n'étaient pas régressives. En fait, ces mesures n'étaient qu'une des mesures qui devaient aider à atténuer la pauvreté des Haïtiens. Et Brian Nichols avait dit ainsi, voilà ces actions que nous voulions voir en Haïti depuis un certain moment. Il y a eu beaucoup de barrages routiers dans le pays, ce qui a créé un déverrouillage. OK. La riposte à ces soulèvements n'est qu'une nouvelle intervention militaire étrangère. La dernière mission militaire en Haïti, la MINUSTAH, qui était opérationnelle de 2004 à 2017 et a coûté près de 7 milliards de dollars pour 538,5 millions de dollars annuellement. Au lieu de contribuer au développement de ce jeune pays pauvre. Aujourd'hui, les anciennes métropoles ont changé de méthode, mais n'ont pas modifié leurs approches coloniales. L'ingérence dans les affaires intérieures de l'Haïti se fait en imposant des décisions ou en plaçant des personnalités politiques en dehors du cadre juridique de l'État. Et dès lors, il n'y a pas d'autorité légitime, c'est-à-dire constituée dans le cadre d'une constitution nationale. Et l'implication constante de la communauté internationale dans les affaires d'Haïti a engendré chez les élites un sentiment de dépendance et que tout est permis. Sentiment que l'avenir ne dépend pas d'élections, mais plutôt du bon vouloir de protecteurs ou de parrains extérieurs. À cet égard, le principal objectif de la communauté internationale est de contribuer à l'amorce d'un dialogue politique pan-national afin d'élaborer les règles du jeu pour former des autorités légitimes. Les forces politiques haïtiennes, au pouvoir, mais également dans l'opposition, doivent faire montre d'une attitude constructive afin de faire le ménage dans leur maison. Nous sommes étonnés de ne pas entendre des États-Unis ce message politique pourtant si évident adressé aux élites au pouvoir en Haïti. Les États-Unis s'empressent de qualifier d'anticonstitutionnels les autorités de certains pays d'Amérique latine alors qu'ils protègent jalousement les régimes qui leur sont loyaux dans d'autres pays. En effet, n'existe-t-il pas dans la région une charte démocratique interaméricaine en date de 2001 qui énonce des critères clairs définissant une rupture du processus constitutionnel et prévoyant les types de réactions internationales dans ces cas-là? Où est la réaction, conformément à cette charte, par rapport à la légitimité très douteuse des autorités en Haïti? Nous savons comment agit Washington lorsqu'il souhaite soumettre un nouveau pays par des sanctions unilatérales contre les personnalités politiques qui ne lui sont pas avantageuses et qui devraient ainsi nettoyer l'arène politique pour la rendre plus avantageuse aux États-Unis. Et le Canada agit également de la sorte. Nous savons notamment que sur la liste des sanctions du Canada, il y a au moins deux anciens premiers ministres d'Haïti qui souhaitent remettre en cause cette décision. Nous mettons en garde contre le fait de présenter ces mesures comme une réaction de l'ensemble de la communauté internationale dans le cadre d'un régime de sanctions du Conseil de sécurité. Nous avons mis en place cette résolution du Conseil afin d'éviter les mesures unilatérales, d'élaborer des solutions communes, des décisions communes et de permettre la participation d'experts pour évaluer le bien fondé d'éventuelles mesures restrictives. Les informations que nous a présentées aujourd'hui Kim Hayes doivent nous amener à aborder de façon encore plus prudente, plus minutieuse, l'instrument des sanctions. Sinon, nous risquons d'imposer des sanctions non pas contre des bandits, mais contre des personnalités de l'opposition qui pourraient participer au dialogue national, mais qui, pour une raison ou l'autre, sont indésirables pour les États-Unis et leurs satellites. Je tiens à le souligner une fois de plus, les mesures unilatérales des États-Unis et du Canada ne reflètent pas la volonté de la communauté internationale et ne doivent pas être perçues comme étant à l'origine du nouveau comité de sanctions sur Haïti.
Nous comptons sur un travail productif du comité 2653 et du Gabon à sa tête, ainsi que des experts qui ont été sélectionnés et qui sont des professionnels de haut vol. Nous attirons l'attention sur le fait que la résolution prévoit d'étudier les sources et les itinéraires de la contrebande d'armes, notamment avec l'aide de l'ONUDC. Je me félicite des exposés de la vice-secrétaire générale, Madame Amina Mohamed, de la représentante spéciale du secrétaire général, Hélène Lalim, et du président du comité 2653, l'ambassadeur Biang. Nous prenons note de l'exposé de Monsieur Ives et nous souhaitons la bienvenue au ministre des Affaires étrangères de Haïti et de la République dominicaine, ainsi qu'à l'ambassadeur du Canada. Lorsque le Mexique a rejoint le Conseil de sécurité en 2021, l'attention se focalisait sur l'organisation d'un référendum constitutionnel et un processus électoral. L'assassinat du président Moïse, qui n'est toujours pas élucidé, a accru plus encore la violence préexistante, ce qui a rendu difficile l'organisation des élections. Dans le même temps, les gangs se sont emparés de lieux stratégiques et ont entravé l'acheminement de l'aide humanitaire et des produits de première nécessité. Tous ces éléments, ainsi que d'autres raisons, nous ont amenés à promouvoir une résolution afin de sanctionner les criminels. Il ne s'est jamais agi ici de sanctions à l'encontre de la population haïtienne. Par ailleurs, nous avons pris note du fait que, après l'adoption de la résolution de 1653, adoptée à l'unanimité d'ailleurs, le nouveau régime de sanctions a commencé à avoir un certain impact sur la situation sur le terrain. Nous espérons qu'avec le début des travaux du comité de sanctions, appuyé par un groupe d'experts indépendants nommé récemment, l'on continuera à prendre des mesures à l'encontre des responsables de la violence et de l'instabilité, y compris, et je le souligne, ceux qui sont impliqués dans le trafic d'armes. Il est évident que les sanctions, à elles seules, ne vont pas pouvoir apporter tous les changements nécessaires. Il faut prendre d'autres mesures afin d'aider le peuple haïtien. Nous reconnaissons qu'il faut maintenir le sentiment d'urgence, mais dans le même temps, il faut tenir compte des enseignements tirés du passé, si bien qu'il faut réfléchir attentivement à la meilleure façon de continuer d'aider Haïti. Mais en parallèle, il faut aussi que les principaux acteurs politiques en Haïti dégagent un consensus minimal en ce qui concerne l'avenir de leur propre pays. Le travail politique interne incombe aux Haïtiens et uniquement aux Haïtiens. Pour répondre aux multiples besoins du peuple haïtien, il faut également reconnaître ses racines sociales. Évidemment, l'héritage du colonialisme, l'exclusion, les abus, les violations des droits humains, la dégradation de l'environnement également, pour ne mentionner que certains des facteurs qui doivent être pris en considération. Il est également nécessaire de mettre un terme à la corruption. À cet égard, je voudrais citer mot pour mot un extrait de l'intervention du président du Mexique devant le Conseil en novembre dernier.
Je cite, la corruption est la principale cause des inégalités, de la pauvreté, de la frustration, de la violence, des migrations et de graves conflits sociaux. Fin de citation. Madame la Présidente, la première nation indépendante d'Amérique latine et des Caraïbes, exemple de liberté, de résistance et de persévérance, comme dans le cas d'Haïti, ne saurait être victime ni de mesquinerie politique, ni d'un échiquier géopolitique. Donc, si vous comprenez, pas vraiment gagnons entente, le violon ne s'accorde pas. Toute partie ou bien tout pays n'est pas arrivé à entendre sous même bagaille. Mais, qui ça qui décide réellement? Qui ça qui peut le faire ou bien qui ça doit faire réellement? C'est terrible. Parce que dans la situation là, moi, quoi, doit gagner une intervention rapide qui fait vrai. Je ne sais pas si une intervention militaire, je ne sais pas. Parce que moi, je fais partie de groupe de monde qui quoi, intervention militaire n'est pas toujours pour te fouiller en Haïti. Je fais partie de groupe de monde ça, qui quoi ça. Parce que selon ça, moi, vive, et dans l'histoire du pays d'Haïti, nous tous nous sommes. Intervention militaire, pas toujours pour te fouiller vraiment. Ya, m'la. Mais, mesdames, messieurs, nous tous nous voyons également qui s'agit là. Nous voyons la situation là parce que nous sommes après le départ Aristide. Le Canada, États-Unis et puis la France. C'est trois forces qui sont venues avant. Après le départ Aristide. Avant casque bleu, tu as pris le mettre pied. Nous voyons. Nous regardons ce qui t'a passé. Bandi yo te rapidement entré dans coquillo. Yo t'a pas le reparaître après parce que yo te juste maintenant tête automatiquement soldat yo vini t'a pas le mettre balle dans derrière. Mais le regarder yo pas grand qui fait vrai, yo retourner parce que yo te marron. Donc nan moment yo marron ou ka peut-être des possibilités pour régler pour être courir régler quelque bagaille. C'est important. Hein? Et c'est ça que fait moi-même, moi inscrit dans démarche pour me dire oui, me fait partie de moun qui pas d'accord pour une intervention étrangère qui fait là, mais tout faut me cohérent avec tête moi. Haïti besoin une intervention. Nous besoin bourade, la PNH besoin bourade. Mais c'est pas même gens, c'est pas font intervention même jeune songer dame qui t'a expliqué, expert là qui t'a expliqué. Li vinn là pour venir aider la police, mais son grain fois seulement, li était juste en bas quoi, il était font photo avec yo. Son grain fois. Après ça, c'est chita sur ordinateur, manger, boire, ap toucher bien cher. Vous comprenez ça? Plusieurs millions. A pile moun. A pile fois, t'as des missions qui rentrent là, yo va gagner l'autre objectif. C'est vini là, vini piller, vini prendre toutes ces ressources nous yo. D'accord. Objectif là, pour yo même, c'est ça lié vrai. Mais ou ka faire au fond coup? M'a dit ou. Si ou sous ça tout bon, si ou sous travail, ou bien si ou pas dormi. Le force étrangère là entre là, ou ka force le travail, oui. Parce que pas avec mission Salvini. C'est le l'entre souterrain là, le vini à la gade, je bagay la fait, tout le monde a fait des autres, tout le monde a fait total. Li dit, ok, li même tout le kafel. Si tout le monde lage quoi yon dans des autres, tout le monde lage quoi yon. Pour ça, li même li bral vini là, li bral fait bagay sérieux. Oh, c'est comme si nous nature nous pas habitués avec bagay sérieux. Mais li bo boui vide ya, li bo salve ya. C'est très important. Hein? Et moi-même, je peux dire encore, cause nèg ak zam nan peyi a fok li fini. Ou am de moutou on ti moun, 8 ans. Nèg yo pran ti moun nan yo kidnapel. Et qui est? Moun ki kon antre la kay paran. Ou tande? Moun ki kon antre la kay paran, yo kidnapé, yo fè complot, yo kidnapé ti moun nan. 29 octobre. 30 octobre, yo tué ti moun yo met du feu sous li. Ça passe dans quoi des bouquets. Action exemple pourtant, parent était en versé on faute somme quoi pourquoi elle pas gétan bay $50,000 haïtien on bagaille comme ça. Malgré ça nèg yo tué ti moun nan quand même. Alors pour pas inscrire dans démarche k'ap mené là pour décitirer ou bien pour éradiquer cause gang ça en Haïti, non mon cher. Moi dois faire partie de moun qui pas d'accord yo, moi dois faire partie de moun qui dit question banditisme en Haïti faut le prendre fin. Le pays en a marre, le peuple en a marre.
et nous pas gain gouvernement, nous pas gain personne qui a pensé réellement pour nous, qui vous dit non, j'ai situation est là, faut que nous aider pays ça là ouf, ou pas joignio. Ou pas chercher ou pas joignio. Ariel Henry je dis là qui gain ultimatum ça sous dol, monsieur obligé fermer à culpa. C'est obligé. Et gon gen un intervenant yo dans réunion, il dit il était journaliste, il était qu'on entré en Haïti, vinn faire reportage, vinn regarder comment situation a bouge en Haïti. Monsieur dit son bagage tête chargée. Monsieur dit pour ça le wè li même en Haïti, son bagage crève que li pas même ka relater, li pas même ka décrire ça le wè a. Tellement situation condition humanitaire en Haïti son bagage tête chargée lié. Côté gang yo, c'est eux même qui mener dans cela, c'est eux même qui fait moun la loi, c'est eux même qui fait et défait. Yo, et pas petit bagaille non. Donc son intervention plusieurs pays, la Russie et le Mexique, li baille position parle tout, li même li dit le pays parle a toujours continuer supporter et a veiller à ce que bagaille yo déroulé de façon différente en Haïti. Donc ou te gen possibilité ou tande ou te gen possibilité ouais. Ariel Henry li même li continue avec bateau pèlerinage li parce que li fait une réunion côté dans réunion ça yo rive choisi madame Mirland Hippolyte Maniga comme moun ki pral diriger un conseil de trois moun ki pral diriger transition. Donc n'a pas regarder, nous espérer a bien résultat, nous espérer madame monsieur pral gen de bons résultats qui bail parce que peuple a c'est ça l'attend. Même j'avoir qui à l'étranger là, même j'avoir qui éparpillé un peu partout, c'est résultat nous tout n'attend. Nous tout nous dit pas capable encore. Restez connectés ensemble avec nous, mesdames, messieurs. N'ap kanpe la, m'te content avec vous. Chanel là, c'est Haïti Réflexion. Jean, qu'on est dans amis qui avec vous, c'est Esdras Fizeme. Nous invitons à partager, quitter un like, un commentaire pour travail là, lui-même, li capable d'avancer. C'est la meilleure façon ou capable de contribuer dans l'avancement travail là. Restez connectés ensemble avec nous. N'ap croisé prochainement pour une autre vidéo.